Comment il peut avoir autant de buveurs avec un skill pareil? Bavure. Comment ça, c'est pas une bavure, monsieur? On est face à un cas. Arma pour ça, ça l'a harcelé. Allez, il l'a harcelé, genre, il a mis 100 secondes, puis après il s'est dit non, ça ne suffit pas, Arma. Non, non, c'est du harcèlement, ça, le cas. Il faut plus calme. Allez, il est revenu, il a dit mais en fait. Après réflexion, écoute. J'ai bien réfléchi. Regarde, une dame qui aime bien. Attends, vas-y, pardon. Non, j'allais dire, surtout que moi des fois je fais ça, tu mets le Théo le temps de vérifier l'historique, machin. Là l'historique il était vite vérifié. Il y avait rien, littéralement. Et tu vois, une âme qui aime bien la Russie et Marine Le Pen, bah il confirme que la phrase est 100% vraie. On a un expert en Marine Le Pen dans le chat. Désolé mais tu as 10 mecs sur le live, comment tu vois pas les questions? C'était sur replay, c'est sûr. 2020 c'était sur replay, y'a aucun doute possible. On peut jouer avec toi, va te faire foutre, de faire exprès d'ignorer les questions. C'était à quelle heure? C'est peut-être un week-end ou je sais pas, c'est sûr que c'était un replay, c'est pas possible. C'est sûr et certain. C'est le même jour, après tu l'as ban. Ah non, c'est moi qui l'ai ban. Non, c'est juste qu'il a dû me saouler, je lui ai répondu puis il a pas écouté. Staff, son écriture, je vais mourir. Encore un jeune Kevin en manque de reconnaissance de son papa, parti trop tôt chercher des clubs. Là, je t'avoue que je suis hésitation parce que bon. Ah, bien à la fin, t'es tellement nul comparé à Kitty. Oh putain, allez, vas-y, dégage. Hors sujet, genre, comparaison hors sujet. Les lives de ta streameuse préférée. Voilà. Tac, pourquoi vouloir venir ici quand il y a une streameuse bien mieux? Cise, salope. Bien mieux, tu dis? Attends, je reviens. Franchement, la demande de Deban est assez drôle. Il a pété un peu. Nique ta mère, gros sac à merde. D'accord. Miski, tu l'as pas répondu, il est devenu fou. Allez, j'en sais des malades. Franchement, ça a été tellement vite. Coucou, salope. Mais c'est ça, regarde. Ouais, c'est clair, ouais. Je peux venir et direct après, t'es vraiment nul. Voilà. Je peux venir jouer, coucou salope, c'est incroyable. Il a été frustré, il t'a allumé direct. Tu salueras ta maman, enfin. Pour moi, enfin. Mauvaise conve, c'était pour ta mère. Sangoku, coup, voilà, tu vois, j'ai fait. T'es nul, FR. Pourquoi freux? Frère. Ah, frère. Ok. Mais tu ne connais vraiment aucun. Oh putain. Mais moi je suis suisse, monsieur, on est dans un pays civilisé en fait, on connaît pas tout ça. Ouais, un pays de. Ouais, hein. Je savais pas pourquoi j'ai été banni juste parce que je disais la vérité. Ah oui, ça, c'est le truc que j'adore. Les gars qui disent au nom de la liberté, j'ai le droit de dire que tu es chauve, j'ai le droit de dire que tu es nul, j'ai le droit de dire que tu es une sombre merde et que je violerai ta famille entière parce que c'est la vérité. C'est. Même qu'il explique qu'on parle plus mal. Qu'il fallait utiliser le vaccin Sputnik V de Vladimir Poutine. C'est ça. Aussi. Et les mêmes. Bah, dis-lui que la liberté d'expression, c'est sur Twitter maintenant. Oh, joli. J'avoue. Réel. Commentaire, je retiens juste le trash talk. Bon, j'avoue, son historique était à chier. J'avoue que, bon, autant, il n'y a pas un seul message positif dans son truc. Pour la liberté d'expression, c'est sur Twitter maintenant. Imagine Elon Musk qui a racheté Twitch. Oh la dinguerie. Bah ça appartient à Amazon, ça compliqué. Il va prendre tarif. Il pourrait racheter un... Non, il croit qu'en vrai, il est assez, qu'il a plus de sous maintenant. Waouh, P2 joue avec des or 2 et PR MDR. Un cas t'as peur. Je vois pas pourquoi je suis ban. Sale merde, t'es éclaté, mange tes grosses daronnes. La truite qui vend des paniers devant Leclerc. Je suis obligé de débattre, c'est pas possible. Il a mis toute son âme dans une demande qui n'était que formulée d'insultes. Et l'enchaînement est techniquement parfait, je n'ai rien d'autre à dire. Ouais, c'est troublant parce que t'as envie de lui dire d'aller se faire foutre. Et en même temps, c'est propre quoi. Premier degré, il a fait une performance, c'était incroyable. Ah oui, ça commençait tranquille et puis après, boum, là, c'est incroyable. Face à tant d'arguments, je suis obligé de te déban. C'est obligatoire. Je vais laisser un message modérateur, par contre, ça serait une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a? Un gars qui parle en anglais. You have been noob, boosted shitty. You fucking trash bot, fat no life. Ok, c'est intéressant. Imagine. Ok, intéressant. Je pense qu'on peut le laisser okay, ban, bot. Ah, c'était un mec qui était dans la game. Pour lui en... Oui, c'est sûr. Réponds-lui en binaire. 0 1 0 0 1.
Timio 45 ans ne comprend pas le principe du ghost ban. Du coup, je vais juste faire de l'humour, je pensais plus drôle, mais vas-y, laisse-moi ban ta mère, je vais te chier avec plein d'autres comptes. Moi, juste pour le faire chier, je te débannerai, mais... juste pour emmerder, monsieur. Non, je te débanne, c'est moi qui choisis. Et marrant, c'est que genre, ce type, t'as vraiment pas compris qu'il pouvait créer des comptes à l'infini, on verra pas ses messages. Genre, ça n'arrivera jamais. Il me parle dans le vide. C'est trop drôle. Voilà. Donc là, le gars, c'est un toxique, on le débanne. Par contre, tout à l'heure, le gentil... Ah mais là, non, ça c'est ta responsabilité. Moi, tu veux les débanne, tu veux te faire play, mais après, moi, je serai plus là. Hein. Ah, attention. Bonjour, guys, salut, comment ça va? Tu feras gaffe, t'es chauve. À la vue du vaccin obligatoire, cette personne a craqué. Il y a un drapeau GL qu'on va acheter, frère, parti trop vite. Attends, salut, excusez-moi, je ne pensais pas qu'il allait le prendre mal, j'étais dans une optique de rigolade, je savais pas que j'allais me faire bannir, donc acceptez mes excuses. Non, c'est un bon libéral. C'est propre, ouais, je suis d'accord. Bonjour. Ah ouais. Merci. Cordialement. J'ai bien aimé, par contre, le tufra, il a écrit fra et fer. Ouais, non, laisse le ban en fait. Ah oui, putain. Ah oui, c'est terrible, tufra, oh là, mon dieu. Ah, d'accord. Je n'ai jamais parlé sur le chat, mais je pense que c'est à cause de mon pseudo. Je tiens à m'excuser de cela. J'aimerais ne plus être banni. La branlette 2.0. Ouais. Moi, tous les jours, je le débanne. Ah oui. C'est à mettre juste prendre du bon temps qu'on le relâche. Et si je peux me permettre, en plus, dans tous les jours, il y avait un indice sur la raison du débanne. Voilà. C'est fait, messieurs. Pourquoi t'as annulé? Non, c'est pas moi, je suis sur Discord avec le mec, Steak Tartar et l'autre, mais pourquoi t'as annulé le match? Y a pas de streamhack pourtant. Pourquoi tu me bannes alors que je t'ai rien dit? Parce que tu streamhack, rien de plus à ajouter, probablement des troubles de la mémoire. On peut le déban, j'imagine. En fait, t'es gentil avec les pires ordures de Twitch, ça n'a aucun sens. On a besoin de viewer, monsieur. Les mecs qui vont venir 30 secondes, ils vont venir, ils vont insulter toute ta famille sur un pavé de 20 lignes, ils vont partir. Mais voilà. C'est un clip pour le roman, c'est facile. Mais Galix, t'as raison, mais évidemment qu'il est un peu maso sur ce genre de choses, regarde, moi il m'a mis modo. Feyrox, montre-moi, salut. Mon papa me l'a dit. Je m'appelle Bernard. Je rigole plus. J'ai pas en spi, je me moque pas, je dis la vérité. Et je l'ai insta-ban. Pour optique de devenir clown de rue au vu de ses vannes. Bah quoi, je dis la vérité. Franchement, c'était vraiment une catastrophe, c'est vrai, par contre. Humour de merde, mais c'est tout, quoi. J'sais pas. Prends Henrik si t'en ressembles. Plutôt clash. Ah, c'est pour ça. Bon, écoute, on va le débattre, rien à dire là-dessus.